La situation actuelle, sanitaire, économique et sociale, a placé des millions de femmes et de personnes LGBT dans une situation d'extrême précarité et place, dans le même temps, des pans entiers du monde du travail particulièrement féminisés en première ligne de la gestion de la crise. La gestion autoritaire et sécuritaire de la pandémie et les confinements made in Medef qui placent les profits avant nos vies ont joué le rôle d'accélérateur des violences faites aux femmes et ont servi de prétexte à l'État pour renforcer son arsenal répressif, raciste et islamophobe qui viennent aggraver les violences qui sont faites aux plus précaires d'entre nous. Avec le collectif du Pain et des Roses, nous analysons les violences faites aux femmes dans leur manifestation la plus dramatique, violences sexuelles, viols, féminicides, comme le dernier maillon d'une longue chaîne de violences qui prend ses racines dans un système capitaliste patriarcal que nous cherchons à combattre. Aujourd'hui, ce sont plus de 47 millions de femmes qui viennent grossir les rangs des personnes vivant sous le seuil de pauvreté. C'est la conséquence directe de la crise économique et de la crise sanitaire. Ce sont les secteurs les plus féminisés du monde du travail qui se sont retrouvés en première ligne dans la gestion de la crise sanitaire. On pense évidemment aux soignantes, aux caissières et aux enseignantes. C'est sans parler du travail gratuit comme les tâches domestiques ou encore les tâches d'éducation ou de soins qui reposent majoritairement sur les femmes au sein des foyers. Avec les profs, on s'est battu pour des protocoles sanitaires à la hauteur dans nos écoles. Et c'est aux côtés des soignants et de l'ensemble des secteurs des services publics que nous exigeons plus de moyens, un plan d'embauche urgent et une augmentation importante des salaires. Pendant le confinement généralisé du monde entier, on a vu une augmentation des plaintes pour violences sexistes et sexuelles de 30%. Ça a été quoi la réponse du gouvernement face à ça? Une augmentation du arsenal répressif, une militarisation des quartiers populaires et une augmentation drastique en fait des effectifs et des moyens donnés à la police. Nous, on refuse que le féminisme y soit instrumentalisé à des fins répressives et réactionnaires. La police et la justice, elles n'ont jamais été nos alliés pour en finir avec les violences patriarcales. Pire encore, le gouvernement a profité de la situation pour s'opposer à l'allongement du délai de l'accès légal à l'avortement, alors même que depuis des années, des lits et des centres pour l'IVG ferment en masse. Aux côtés des femmes en Pologne, en Argentine et aux États-Unis qui luttent pour un avortement libre, sûr et gratuit, nous, on revendique un accès libre et gratuit à la contraception, ainsi que le droit et la liberté des femmes à disposer entièrement de leur corps. Face à cette augmentation des violences sexistes et sexuelles, nous, on revendique la réquisition des logements vides pour toutes les femmes victimes de violences, ainsi que des moyens humains et matériels nécessaires pour les accompagner. Il faut aussi fournir des aides pour toutes les femmes qui ont perdu leurs emplois, parce que pendant que le gouvernement il instrumentalise le féminisme à des fins répressives, nous, on pense qu'il doit y avoir zéro argent qui doit aller à la police et à l'armée, mais qu'il faut investir pour pouvoir avoir des services publics de qualité. Nous ne le dirons jamais assez, trop couverte ou pas assez, c'est à nous de décider. Nous avons combattu l'offensive sexiste de Jean-Michel Blanquer. Quand, face à des lycéennes qui se battaient contre les règlements intérieurs sexistes de leur lycée, qui leur interdit le port de certaines tenues et qui leur interdit également le port du voile, il répondait qu'il suffisait de porter des tenues normales ou républicaines. En instrumentalisant les mois causés par les terribles attentats de Conflans et de Nice, le gouvernement mène actuellement une campagne sécuritaire et islamophobe d'ampleur. Dissolution d'organisations telles que le CCIF, loi contre les séparatistes, doublement des effectifs policiers aux frontières et loi de sécurité globale. Cette offensive antidémocratique et répressive ainsi que l'idéologie réactionnaire et raciste qui l'accompagne sont un terreau propice au développement des agressions racistes dont les femmes musulmanes ou assimilées sont les premières victimes. Ainsi, selon CCIF, elles représentent 90% des victimes d'agressions racistes violentes. Nous sommes anti-impérialistes, anti-racistes et internationalistes. Et face à cette offensive sécuritaire, nous exigeons le retrait du projet de loi contre les séparatismes, de la loi de sécurité globale et le retrait de toutes les lois interdisant le port du voile. Nous revendiquons également la liberté de circulation et d'installation pour toutes et tous, ainsi que le retrait de toutes les troupes françaises à l'étranger qui pillent, qui violent et qui agressent les populations locales. C'est autour de ce programme de lutte qu'on va se mobiliser le 25 novembre, en affirmant que l'État est le premier responsable de ces violences et qu'il s'agit de le combattre.